damn phones. Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to accompagné de Dayazen et Megachu. Dites bonjour les gars. Comme ta gueule. Bonjour Megachu, toujours un plaisir. Dayazen, un mot à dire? D'accord, merci Dayazen, il reste muet comme une carte. Aujourd'hui... Donc les gars, il est 23h15. C'est l'heure du Gigali. Preuve de qui c'est qui. Intérêt de meubler, hein, Quentin. C'est le Kikadi. Oh, c'est celui qui dit qui est. C'est l'heure du Ricard. Non, bien entendu, en fait, on vient de faire une game et on a perdu comme des... Parce que Dayazen n'a pas su nous carry. Donc c'était vraiment une sale partie. On était manche 17, je crois. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer de péter leur corps qui est de 36 manches, hein, si je ne m'abuse. T'abuses. D'accord. Bon, bah alors... Tant pis. Tu me fais une belle feinte là. Alors Quentin, on est pas bien. Non, j'ai eu Lucas. C'était gommé de la réalité ou quoi? Il a voulu le gommer de la réalité. Mec, on est plus que deux. Mais les gars. Mais wesh, c'est pas marrant. Tout ça pour faire son man intéressant. Tellement susceptible, hein. Tu viens, Quentin? Sokoma. Sokoma. Mais il a... Il, Lucas, il veut plus jouer. 2 hours later. On perd notre temps. C'est largement le temps. Oh non, pas ça. Je veux pas faire celle-ci. Oh non, je peux pas faire celle-ci. Oh oui. Je veux bien faire celle-ci, c'est ma préférée. A few moments later. Moi non plus, moi non plus. T'inquiète. Bah là, vous avez toujours pas mis des chops, les gars, putain, une bande de mi-skins là. Attends, moi j'ai envie de faire mon petit bruit. Tic, tic, tic. Putain, t'es con. Mais non. Il casse les couilles, je te jure. Il rend fou. Il y aura tes grands-parents. Mais moi j'ai peur de tes grands-parents, j'ai pas envie de les voir. La dernière fois, il m'avait dit que voilà. Non, j'ai pas envie. Connexion là, mais ça lag de ouf. C'est sur la connexion de qui là? C'est la connexion de Megachu, ça, ça se voit. Ça c'est la connexion de Megachu, on la reconnaît bien. Cette instabilité à la fois stable. Mais pas trop.
I'll get it to you, yes I. Il est très offensif lui hein. Mais les gars, on a une collection de forains là hein. Y'a les munes, y'a les munes. Oui. Toi aussi t'es en galère de... Moi je vais me le faire. Non mais quitte pas, sérieux c'est relou. De toute façon mec, avec une connexion pareille, on va arriver mange 10 et ça va bugger, y'aura trop de zombies. Mais non. Mais si. Regarde, c'est bon la cola, c'est pas des couilles. La cola. Tu parles de l'Axel? T'as plus de mine, t'as fait tout! C'est con ça. Touti touti, touti touti, touti touti. Ah, il rabattit en moi, il était précurseur en son temps. Dans... Ce serait bien que tu tiennes un peu ta porte, s'il te plaît, là. On serait cassé les couilles. C'est vrai que si on fait le calcul, il y a 4 portes, on est 3. Et donc, il y aura forcément quelqu'un qui aura 2 portes. Ça va, Lucas? T'imagines, si tu fais un tournant tout seul, après, hein. Il y aura forcément quelqu'un qui aura 4 portes. Oula, là, ça va partir en steak, là, c'est la manche de la mort. Et moi je voudrais la boîte, elle est dans la deuxième pièce à droite là. Quelle droite? Oh, en fait ça se fait au pistolet, sauf que j'ai plus d'armes de pistolet. Aidez-moi, les gars, j'ai dans le sous. Aidez-moi. Oh, un pissenlit. Un beau pissenlit. C'est sûrement le dernier de la saison. En fait, je claque mes munitions pour vos chiens, mais dès que je vais en avoir un, s'il te plaît. S'il te plaît, aidez-moi. De toute façon, je vais graviter autour de toi comme ça. Attendez, mec, j'ai entendu un bruit dans ma salle de bain. Oh, attendez, y a la dame blanche dans ma salle de bain et en même temps, y'a Mathieu qui est mort. Et moi aussi, je vais mourir. Ah, mais c'est le. Oh non. Non, les amis. Non, les amis. C'est chaud. Vous êtes où les amis? Derrière toi. Vite. Oh, ils font ch*** comme bruit. Grand prince. Oh non, elle est derrière la boîte. Grand prince. Grand prince et Petit Lu sont dans le ravin. Grand prince dit à Petit Lu: active la musique, Petit Lu, s'il te plaît. Grand prince rétorque alors: je ne peux pas. Je ne sais pas où sont mes amis qui sont tués par les chiens. Quentin décide d'arrêter de dire. Vous entendez la musique là ou pas? Oui. Là, lourd. Down. C'est pas comme si on venait d'en avoir.
Ramasse-toi juste là. C'est cool. C'était bien trouvé. Pourquoi ils marchent tous là? Il a mis son bonbon, Mathieu. Pas du tout. C'est pas faux. Oh là, Insta-locle. Insta des pop. Mort instantanée. C'est la mort instantanée. La mort instantanée. Arrive. Mort instantanée. Casse-toi, toi, ta batteuse. Et où? Oh, ta robe, elle pue le coyote. On va mourir. Eh, ta robe, elle pue le coyote. Oh, d'où tu sors, toi? Mort instantanée, je vais choper des kills au cut. Putain, la manette du HOC, elle a plus de batterie. Cette batteuse, ça se ramène. Elle est bien, cette musique. On s'en lasse pas. Hein. J'adore cette chanson. On s'en lasse pas. Je vais acheter Quick Revive parce qu'avec vous... Ferme ta gueule, putain. Une lourdeur. OMG. Je suis cuit. Omg. C'est vraiment un truc de gamin à l'extrême, ça. Poussé à l'extrême, vraiment. La mort. Ah, ça c'est bien. Si vous voulez un tireur d'élite, appelez-moi. Honnêtement, voilà. Je crois que j'ai pris la même arme que toi, Mathieu. Locus, pardon. Ah non, j'ai le dragon. J'ai confondu. Moi je te parle d'un vrai tireur d'élite, tu vois, parce que bon, le dragon c'est vraiment pas très pro, tu vois. Mm-hmm. Mais pourquoi vous les tuez à l'arme, bordel de cul? Bah parce que comme ça on les a avant toi. On n'a pas à courir pour avoir notre viande, tu vois. Elle tombe directement dans le piège. C'est Spike qui m'a appris cette technique. c'est ce genre de reportage où tu vis des trappeurs canadiens au fin fond des montagnes. Ça, c'est le filet à ours. Mais là, il a été mangé. C'est énorme les émissions comme ça. C'est surtout les mecs qui traduisent qui me tuent. C'est toujours un petit temps de décalage par rapport à la voix d'origine et toujours la même voix. Comme dans Pimp My Car, My Ride. Pimp My Ride. Les mecs font... Oh, il y a même des enceintes dans le coffre. C'est génial. C'est exactement ça. Du coup, elle a 50 ans, Blandine. Elle a pas la crise de la cinquantaine. Quoi? Le tuning, tout ça, c'est... Voilà. Dès qu'il a dit pute. C'est une blague, hein. Putain, j'arrive pas à le tuer, celui-là. Non, mais du coup, elle a pas la crise de la cinquantaine, parce que moi, ça me stresse, hein, de vieillir. Je lui demanderai. J'adore cette musique. On sent vraiment le temps qui passe, quoi. C'est de la gueule du monde à pas aller au spawn là. Ah. Ah.
C'est pornographique. Oui, oui. Casse-toi là, Quentin, c'est pas toi qui remets les branches, là. Pardon. Fermez-la, putain. Mais ferme-la. Ferme-la. T'es ma Wiville. Non. Tu mens. Technologie. Tu mens. Technologie. Putain, du coup, Lucas, j'ai tout le temps l'image de merde que tu mets, là. Voilà. De quoi, Selena Gomez avec une... Quoi? Allez, gif. Putain. Je l'ai tout le temps en tête, c'est horrible. Attends, mec. Tu l'as trouvé comment? Sur comment? Ah, le mec, il fait les gros yeux. Bon, moi je dis 7, on la connaît. C'est mal rat là-bas qui va faire ses bottes tout seul là. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis. Comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. C'est ma petite. Oh non, 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 pas d'autres amis. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis. Comme toi. Oui. Ah, t'es ma petite HVK aussi, regarde. Ah, moi j'ai pareil, j'ai une HVK. Et... Ouais, mais tu l'as pas de ma couleur. Non. Théma, c'est que j'ai mis tout le temps ce camo là. Ah bah c'est bling bling. Dis non, c'est flashy, on peut te voir de loin. C'est le but. Les zombies sont attirés par le jaune, c'est connu. Ça depuis la nuit des temps. On recule, appuie sur la détente. Une sévère hémorragie. Je voudrais m'arracher. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Si t'as besoin de recul, appuie sur la détente. Une sévère hémorragie. Je me l'ai pris, oh Dieu. Une maman prie, pourquoi tu me l'as pris, oh Dieu. Oh, allez, ce genre de shotgun, ça c'était bien joué. Hein. Je le prends très mal. Surtout quand c'est une arme comme ça qui tombe. Théma, t'es pas encore, j'ai une arme avec le camo là, regarde. Il en est fier, hein, de son camo de beauf. Hein. Mais il ne cesse de le répéter. Arrête. Oui. Pas besoin, il a la HVK, tu comprends. Ça paye. Ah oui, lui, il monopolise la boîte en plus. Surtout, un beau camouflage. Tu sais, Quentin, tu l'as pas vu, regarde mon petit loup là sur le côté de mon. Mais attends, il est où? Je vois pas. Oh là, il est bigleux. T'es un dragon aussi toi? Oh la classe! C'est bon, les deux tireurs d'élite. Non! Les deux tireurs d'élite et là-bas. Oui. Oui. C'est claqué comme arme. Oh là là. On aura tout entendu hein. Tout entendu. T'entends. Montréal-Paris, t'entends? Montréal-Paris, why not, l'exclusivité, t'entends? Du. T'es trop lent, Jackson. Ah ouais, bien dégueulasse, là. Par contre, faut ouvrir, les gars, non? Mais non, putain, on a tenu manche 40 à l'heure, là. C'est vrai. Divisé par 3, moins 2. Je suis pas marseillais. Wow. Rechargé. Ah oui, ça valait le coup.
Recharger. Comment tu savais ça? Oh, il est pas bien, il est pas bien, hey, Didi. C'est bon, j'ai cru que là, il va. Couvre-nous. Vas-y, mais reste-le, au pire, je, voilà, je tape les autres zonzons. Oh là, il se relève, il se relève. Oh là là. Mais casse-toi, putain, il y a mort instant, là. Mort instantané. J'ai rarement vu des tels gamins, là. Ça va, Quentin, tout se passe bien, oui. Miskin ton pote. Je veux pas un verre d'eau ou un sucre, Miskin ton pote. Non mais j'avais en ligne de mire, au calme, t'es arrivé, ils sont tous décalés vers toi là. Chargé. Pourquoi dis tout le temps ça? C'est recharge, Quentin, putain. Il court de travers lui. Ah merde, j'ai plus de balles. Je devais garder ton dracon aussi. Le hello hell. Oh là 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 là. Oh là là. Bah ouais, mais putain là. Et ça galère avec un putain de zonzon là. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas là? Mais j'ai pas de balles. Bon bah je ne tirerai pas. Pourquoi t'es pas allé t'acheter un truc là? Bah parce que mec j'ai pas faim. Il est toujours dessus, hein. Il a beau dire ce qu'on est toujours dessus. T'as dit quoi, Lucas? Moi j'ai dit j'ai pas faim, et toi et lui il a dit parce que en général, quand il dit tu vas t'acheter un truc, c'est genre va acheter à manger, enfin. Je sais pas si t'as je veux dire ou pas. En 15 lettres, t'as je veux dire ou pas. Et voilà, et c'est toujours la continuité, tu vois. Non mais attends, je suis bon, maintenant j'ai des munitions là. Donc c'est bon. Elle est jolie, hein, vieux frère. Elle est jolie, hein, vieux frère. Mais putain, attends un peu, wesh. Je suis désolé. Ouais. Sauf que le problème, c'est que ça marche aussi avec la batteuse qui est bleue. T'as vu les lampadaires verts? Ah non, hier, mec, j'étais en fleur, il y avait des lampadaires avec une lumière verte. C'était trop stylé, c'était ouf. Genre, en fait, la lumière, elle était verte. Mais il y en avait plein. Il n'y en a pas qu'un. Oula! Où ça se gratte? Elle est forte la VMP. Ouais, elle est forte la VMP. Ouais, elle est pas mal, on a dit. Allez,
tout le temps. C'est de l'ironie, jamais Marty. Jamais je l'ai fait. J'ai juste essayé juste avant. Fais pas dans l'ironie, Marty. Fais pas dans l'ironie, Marty. Vous savez... C'est ça que j'ai jamais remarqué, dès que tu vis, il te l'affiche le vieux message au-dessus là. Maintenant je vais faire que de le voir, je casse les couilles. Après de toute façon je fais toujours des noscopes moi, les chats. On bat un peu les couilles. Bah oui. Leurs âmes. On devient con, les amis. Oh non. Ouf. C'est pas ouvert ici, putain. Avec les placards là où il y a le bureau et tout. Ouais. Je vais même m'acheter les mines, comme ça c'est fait. Non, non, ça c'est une technique de rat, ça. Si t'es, si t'arrives de l'autre côté, que t'es bloqué et tout, tu vois, t'es dans le sous, tu dois ouvrir, tu te fais bloquer, tu... Ouais. Terminé. Oula, 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 oula. Ha. Et... Est-ce qu'on ouvrirait pas là? Hein? C'est moi comment je la balance en l'air, elle se pose juste devant moi. Vous avez vu ce trick? Regardez. Je crois que c'est pas trop le moment, Jackson. Et Jackson. Oh, les zombies, ils commencent à s'envoler, ça y est. Putain, en c'est fait, quoi ça... ce bug là? En fait, c'est avec un bonbon, non? Quand... Toi aussi, les zombies s'envolent? Mais oui! Mais en fait, Lucas, tu te fous de ma gueule, en fait, c'est juste un bonbon, non? Bah. Vas-y, on continue comme ça, c'est bien. Pris une arme que je voulais pas. On a une bonne maîtrise du game. Ouais, c'est bien là. Mais pas pour longtemps. Ça cale. Que quelqu'un s'occupe du poulet. Que quelqu'un s'occupe du poulet. Non. Bon, c'est pas, hein, mais bon... Oh. Ils s'envolent tous. Merci. Non. Qu'est-ce qu'on se marre, mais qu'est-ce qu'on se marre, mais... Dites bien, on se... Regarde, Théma, Lucas, Théma. Regarde. Lucas, tu te dis là, je l'envoie trop loin en l'air et tout. J'doum. Boum. Oh là 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 là, tellement la classe. Lucas, c'est avec vous là, je vais jamais faire de points là, sinon. Ta gueule, t'as cru qu'on avait pas de zombies là? De la merde, faire de la merde, il cut dans le vide. J'ai dit, casse couille quand il y a mort instant là. Eux, ils sont envolés les zombies devant moi. Mais oui, ils s'envolent tous moi depuis tout à l'heure. Mais on a pas eu des munitions au max là?
Et j'ai plus de munitions de dracon, moi. Faut ouvrir. Va falloir élaborer un plan, hein, parce que... J'ai plus aucune balle. Moi non plus. C'est bien d'activer les pièges quand ils sont tous bloqués chez nous. Ouais, mais y'a que ça à faire, ta gueule. Allez, on ouvre là. Putain, j'avoue, mec, t'es chaud. Putain, mais Lucas, t'es sérieux? Mec, il fait pas la même partie que nous, lui. C'est le Dracon, quand hein, tu l'as lâché pour Kodan. Moi, j'aime pas le Dracon. Ouais, il joue, mais ça me fait. Non, ta gueule toi. Vous m'avez pas voulu activer mon TP tout à l'heure là. Moi je suis bien hein. Eh, oh c'est quoi ce... Ah putain! Moi j'ai un truc sacré punch les gars. Mais tu casses les couilles Lucas! Si c'est pas lui. Mais si, il fallait aller au spawn activer ton putain de téléporteur plutôt que de l'activer pour rien. Du coup moi j'ai pas pu prendre le mien là. Quoi? Oh non. Oh non, je fais quoi? J'ai pour rien. Bah tout part du fait que Quentin il l'ouvre pour rien. Mais niquez-vous là. Putain, bah voilà, j'ai un bonus de merde. Oh, y'a la braderie. Et mec, je viens de réanimer, je suis dans le sous, mec, j'ai tous les zonzons. Non, c'est pas ça. Prends le truc, Quentin. Quoi? La machine de mort. Ah merde. Putain, je suis deg, je voulais prendre le TP, j'ai regardé mes thunes là, je me suis dit putain, je vais pas faire comme tout à l'heure quand même. En fait, non, c'est juste parce que t'es avec TV et tu l'as pas. Quel connard. Et oh. Non, c'est Quentin, puis c'est toi là. Qui c'est qui a activé le TP? C'est toi qui m'as dit ouais active le TP au spawn là. Bah non j'étais pas au spawn. Là tu vois on l'a viré son petit confort là, les escaliers machin truc là. Oh là là, anti-jeu, franchement anti-jeu. Bah t'es bien là Quentin. Tu sais que tu. Quand t'actives un TP comme ça le mieux c'est d'attendre derrière. Parce que là en fait en faisant le tour, y'en a que 3 qui vont passer dedans. Oula, oula. Prends des balles d'AK. Oh ouais pas con. Excellente idée Verne. Pendant qu'il y a personne. Mais si tu as des munitions, 4500, allez, ça dégage. Il va racler les pécores. Autant vous dire qu'ils vont passer à la caisse, les pécores. Les tue pas pendant que tu fais ton tour, enfin, fais ton tour. Oh là 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 là. Ça c'est la spéciale de contre-intendant ça.
Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois il le met. La spéciale glissade. Ouais, la spéciale, je vais me prendre 3 patates dans la gueule en même temps, je vais mourir. Parce que c'est là où il y a le plus d'espace. Vengeur consacré. C'est les deux derniers, Quentin, donc mets-toi bien, c'est pas grave. La gueule. C'est bon, respire maintenant. Oh, il est pas là. Ah non, il est en haut, putain. Il l'a acheté. Mais putain, non, mais non. Je suis tout rouge, là. Ranime-le. Ranime-le, ton srable. Ah putain, il fait pleurer ce con. C'est rush. Tu peux pas prendre une entrée plutôt. Mais putain. C'est rush. Mais t'es plus entrée plein dessert ou entrée. Non mais gros, il me donne le bazooka dans la boîte là. Pète les coups. Il y a des min-max, Quentin, si tu veux. Oh, il me donne putain. Le SVG en plus. Mais mec, je pensais que le téléporteur, je pouvais le prendre et j'ai pas réussi à le prendre parce qu'il était pas activé, c'est une blague. Oh non. Oh là là, Lucas. Il est où, Quick Revive? Ah, il est de l'autre côté, putain, la merde. Lucas, il fait tourner un paquet de zombies, mon gars, dans un périmètre tout petit. C'est très fort. C'est pas grave. Attends, moi je vais peut-être pouvoir. Mais quand Lucas, faut que tu te barres avec les zonzons. Lucas, n'hésite pas à les tuer par contre. Hein. Oh putain. Bah, mets un piège, quoi. Ouais, mets un piège ou je sais pas. Bah, attends, dans ce cas-là, attends, elle est où la boîte? Oh, elle est en haut justement. T'as masto, Lucas? Oh, GG ça. Oh, GG ça. T'inquiète, on va s'en sortir, Lucas. D'une manière ou d'une autre. Oh, y'a un putain de kleps là. Oh, la tête, ça. Oh oui! On a juste activé un piège. Par contre, là, je fais la pire boîte ever, là, l'endroit là. Oh, c'est pour choper une farm en plus. Qu'est-ce que tu racontes? Une genre de foot de Monaco. Oh, t'es dans un cul là, Yuka. Ah, ok. Ok, j'ai eu les singes. Oh le bâtard. Ouais, j'avoue. Mais n'hésitez pas mais à les tuer. Mais non, hein. De la merde! C'est trop petit là. Que j'ai une vie, Pharo. C'est trop petit, t'as trop de zombies. Absolument pas. Oh, tu te mets bien, Lucas, avec ton pistolet là. Ok, ça respawn derrière moi là. Ok, cool. Oh. Non, j'ai les zonzons. Oh, je fais des triple kills, headshot, une balnoscope, ball bang.
Bien joué. C'est quoi lui? Oh non. Mathieu, derrière toi. Là, un singe. Non, oh, mec, t'étais tellement dans un... Mais mec, t'as un putain de clémar, Colombie. Mais what? Attends, t'as vu ou pas mon écran? Mais mec, je regardais ton perso. Non, j'étais pas sur ton écran, je regardais ton perso de loin, mais y'avait rien, quoi. C'est juste un putain de clébard. C'est pas la soirée. Genre, tu vois, j'ai lancé le singe, t'as tous les zombies qui sont venus vers moi. C'est vrai que Lucas, il fait toujours un gros score. Ils sont barrés. J'ai pris trois patates, je crois. Après, il y a le chat qui a mis une patate, j'étais tout rouge. Et j'ai essayé de lui tirer dessus, j'étais en mode gros bordel. Et je suis mort. Et ben dis donc. De toute façon, j'ai même pas d'autres maps. Oh non, mais non, pas Shadow of Evil. Oh, moi, je me casse. Je vais aller manger du chocolat. Et voilà, c'est la fin de ce zombie sur ce Giant avec DayZen et Megachu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi mettre en commentaire les références que vous avez reconnues, puisqu'il y en a forcément, je pense, que vous aurez reconnues dans cette petite vidéo. Sur ce, moi, je vous fais un bisou, puis je vous dis à une prochaine. Bye.